rentre dans le vif du sujet. Monsieur le proviseur, bonjour. Comment allez-vous? Ok, c'est Doug Bamdema pour le compte de Minibull TV. Nous sommes venus vous rencontrer afin de vous éclairer de la situation actuelle des cours, si les cours ont réellement dérouté. Je voulais savoir, est-ce que les cours ont débuté ce matin le 2? Vous pouvez vous-même faire le constat, puisque il y a des élèves dans les salles de classe. Même si ce n'est pas la grande honte, mais par habitude, les élèves ici viennent en classe quand ils veulent. Ce matin, il y a quand même eu un bon nombre. Bon, maintenant, concernant l'engouement des cours, et puis il y a eu un arrêté par rapport à la décision du président de la transition, M. Olivier Brice Clotaire, dont nous voulons savoir, est-ce que le lycée Collège Saint-Jean rentre aussi dans le même cas, dans la mesure de la gratuité des cours? Tout simplement parce que nous sommes un établissement professionnel ministre a été clair en disant que les enfants que l'État nous envoie, les amis en sixième, par exemple, En effet. ne payent pas en dehors de l'uniforme que les parents payent. Ce sont les parents qui peuvent. L'État qui prend en charge la scolarité, la sixième en terminale. Maintenant, ceux dont les parents amènent leur volonté à venir ici, ce sont ces parents qui payent comme d'habitude. Merci. Bon, sur les modalités de paiement des cours, nous avons été bien éclaircis par monsieur. Je voulais savoir d'abord votre Edgar, monsieur Edgar Abaga. Ok, monsieur Edgar Abaga, nous vous souhaitons de passer une très bonne année scolaire avec des élèves. Bon, on sait que les élèves de Minvoul, certains, comme vous avez dit, sont remplis de paresse, mais nous vous souhaitons de faire un bon score dans les examens qui sont à venir.